Le paon est le plus bel oiseau qui vit à la surface du globe, et il est parfois appelé le roi des oiseaux. En raison de ses couleurs merveilleuses et attrayantes qui attirent l'attention, l'origine de cet oiseau sont les forêts des pays tropicaux humides et chauds du continent asiatique. C'est un oiseau célèbre et bien connu dans tous les pays du monde. Les traits de paon les plus caractéristiques des autres oiseaux et sa queue colorée, que le paon mâle déplie sous la forme d'un grand éventail derrière lui environ 5 fois la longueur de son corps. Il est connu par sa qualité de beauté et de fierté, de vanité et d'arrogance, et se caractérise par sa démarche qui reflète la fierté et la brillance. C'est un oiseau qui refuse généralement de se mélanger avec d'autres oiseaux domestiques. Le paon est un oiseau social par nature et il vit à l'état sauvage en groupe qui se protège les uns les autres. La femelle paon est plus petite que le mâle. Elle a une queue courte et des plumes sombres et n'a pas de plumes colorées comme le mâle. Le paon a une voix très forte qu'il utilise pour avertir les individus du danger qui les menace. Le paon ne peut voler que sur de très courtes distances et utilise souvent ses ailes pour sauter par-dessus de grands arbres. Le paon atteint généralement la puberté à l'âge de 3 ans et s'accouple généralement au printemps et affiche alors ses plumes colorées et émet des sons pour attirer les femelles. La femelle pond un nombre allant de 4 à 6 œufs, qui éclosent généralement après une période allant jusqu'à environ un mois. Les jeunes restent avec leur mère pendant une période allant jusqu'à 4 mois, et le paon achèvera sa croissance à l'âge d'environ 10 mois. Depuis l'Antiquité, les rois ont élevé ce bel oiseau dans leur jardin. Pour la beauté de ses couleurs et sa forme distinctive, il se nourrit de céréales, de fruits d'herbe, d'insectes et de vers. Il a des pieds solides, des griffes acérées et une bonne vue. Le paon a de nombreuses couleurs et types. Et parmi ces types, le paon indien, qui est le plus coloré et vit dans les pays de l'Inde et de Sri Lanka, et un beau corps bleu et une couronne sur sa tête. Et parmi ces types célèbres sont également le paon blanc, le paon du Congo, le paon vert, qu'il est originaire de l'île indonésienne.